Mais c'est un secret entre les enfants et moi. Oui, eh bien, vas-y, dis-le. Dépêche-toi. Mais non, mais c'est pas un secret pour toi, Vita. C'est seulement pour les enfants, Ricky et moi. Il faut pas que t'entendes, quoi, si tu comprends bien. Attendez. Oh, tu descends. Mais enfin, Tosh, qu'est-ce que c'est que cette voix? Je coupe les notes du bas, et après ça, c'est réglé, hein. Oh, là, voilà, c'est tout simple, hein. C'est les aigus, c'est les notes du haut. On va couper, on va les couper les notes du haut. Mais, mais non, pas du tout. Ah ben, ouais, ben, alors là. Ouais, alors vous avez raison, bien sûr. Ça c'est sûr, alors ça, ça. Mais non. Mais messieurs, tu ne bouges pas. Ah oh ben non, ben ça, je ne bougerai pas. Pas du tout. Ah, mais je ne bougerai pas. Tosh. Mesdames et messieurs, notre grand numéro de couteau. Citron. Mais j'ai une sorcière. Je mets tout. Oui. Jusqu'à 42, hein. Ouais. Mais c'est beaucoup trop long, ça. Mais oui, ça n'existe pas 42 en Tosh. Hop là. Voilà. Et voilà. J'en étais sûr. Mais quel bon à rien, alors. Je mets Pierrot dans l'enveloppe. Hop là. Et maintenant, je ferme l'enveloppe. Pete, est-ce que tu peux me tenir cette enveloppe-là? Juste là, comme ceci, hein, c'est rien de plus simple que ça. Un, deux, et trois. Bon, hey, en plein dans le mille. Hey, alors ça... Regardez bien, Pierrot, que voici sous vos applaudissements, messieurs dames. Et voilà, il s'est transformé, changé en un rien de temps, un dixième de seconde. On peut applaudir encore, Pierrot. Une forêt de sapins. Belle étoile dans le ciel de Noël. Quand est-ce qu'il vous plaît d'avoir ce décor? Oui, vous pouvez l'applaudir alors. Vite, vite. Oh là 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 là
Vous avez fait un voyage. Oui, 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 oui.